Un sujet qui court pas mal sur YouTube en ce moment, ce sont les tags. Et il y en a eu différents. D'abord sur la présentation de nous-mêmes face au public avec les cartes. Et ça a été une idée de Founé, de la chaîne. Je sais qu'il y a Lune dans sa chaîne, mais je ne sais plus du tout comment. Founé, vous la connaissez peut-être? Attendez, je vais peut-être retrouver ça. Eh bien, non, je ne l'ai pas. Ah, c'est bon, je vous mettrai son lien de sa chaîne et l'idée c'était de se présenter en 15 cartes. Enfin, il y avait 5 fois 3 cartes pour 5 questions différentes. À la suite de ça, Claire, donc on devait taguer des personnes. Claire a tagué un certain nombre de personnes, à savoir tous ses abonnés qui étaient youtubeurs ou youtubeuses. Dont je pouvais faire partie. Ça me plaisait plus ou moins parce que du coup, me présenter des cartes, bon, ça me plaisait moyen. Et je suis tombée sur la vidéo, alors toujours sur l'idée du tag, du journal d'une femme moderne et spirituelle, donc de Stéphanie, et qui, elle, se présentait en 15 questions, tout ce que vous voulez savoir sur moi, je crois, en 15 réponses ou 15 choses que vous ne savez pas sur moi. Et j'ai trouvé ça super comme idée. Du coup, je me suis dit, c'est une bonne idée pour se présenter, du fait que moi, en plus, j'avais commencé une vidéo il y a quelque temps de ça, où j'avais dit, bah voilà, je vais passer par étapes. J'avais présenté 0, 9, 9, 18, parce que pour moi, une étape, elle est de 9 ans, qui va jusqu'à la carte de l'ermite, hein, où on éclaire cette étape-là, ce qu'on a fait et le bilan. Et j'en étais restée à mes 18 ans. J'avais pas envie de grandir. Non, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, et du coup, ça me broutait un peu de me dire, oh là là, ça il va falloir que tu racontes tout ce que tu as fait, parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup d'hésitations. Vous voyez, ce beaucoup, beaucoup, ça me pesait beaucoup, beaucoup. Et donc, j'y suis allée à tâtons. Et la vie m'envoie ce tag, et je vais, en fait, je vais. Il faut taguer trois personnes, je les taguerai, je sais pas, ça se dit, ouais, peut-être, à la fin. En attendant, je vais faire un mix de ce que Founé a proposé, de ce que Claire de la Lune a mis en avant et de ce que Stéphanie en a fait. Et je trouve ça génial, donc on va faire un mix des trois. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter quel est mon jeu de prédilection quand j'ai commencé à tirer les cartes avant de faire les 77. Et puis par la suite, eh ben, je vais en profiter pour glisser sur le chemin parcouru. On va prendre la deuxième étape en numérologie, comme ça va faire un grand saut, comme j'arrive à mes 54 ans. On va prendre de 28 à peu près. Allez, 20 à 54, comme ça englobera le tout. Préparez-vous, j'espère que vous avez un peu de temps. Sinon, c'est pas grave, passez votre chemin. J'y verrai pas d'inconvénients, c'est normal, la vie nous demande beaucoup. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, par le fait que, enfant, j'aimais chanter, danser, dessiner, m'amuser. Et les cartes, c'est pas venu tout de suite. J'ai eu. Alors là, c'est très très intime, hein, ce que je vais dire. Ça fait partie des 15 choses que vous ne savez sûrement pas sur moi.
j'ai été très tôt mis en contact des filles. Et je n'ai jamais eu de souci à avoir de rapport intime, soyons clairs, avec les filles. Donc voilà, je suis. Alors, on pourrait dire que je suis bisexuelle. Ouais. Si vous voulez, mettez-moi dans la case que vous voulez. À la limite, ça ne me gêne pas. Je suis ce que je suis. Et j'ai un fils, et j'ai eu des hommes dans ma vie, et j'ai eu des femmes. Voilà, pour la deuxième chose. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet à partir du moment où j'ai arrêté d'être styliste. Et non, qu'est-ce que je vous dis? J'ai pas arrêté d'être styliste. J'étais styliste, j'habitais sur Lyon et je suis partie à Paris pour me vendre et faire mon métier là-bas. Je vous demande 2 petites minutes. En même temps, je vais vous sortir mes jeux, le jeu avec lequel je tirais les cartes à l'époque. Alors, me voici revenue avec la première. Je crois que j'avais le Normand au début, mais c'est tellement loin. Comme j'ai jeté tous mes jeux de cartes à un moment, tellement j'en avais marre d'être dépendante de ce que pouvaient me dire les cartes, surtout qu'elles me disaient n'importe quoi au bout d'un moment. Donc du coup, pardon, j'ai souvent mais j'ai un petit souci de peau en ce moment. J'utilisais aussi beaucoup le Yiking. Vous avez dû le voir dans une de mes vidéos. J'ai fait un tirage avec. Et donc, c'est le livre des transformations. Et ça, vraiment, c'est. Vous voyez, hein, il est tout déchiré. C'est une vraie Bible pour moi. Quand je l'utilise, de plus en plus rarement. Je l'utilise vraiment qu'en cas d'urgence, quand je me pose des vraies questions. Puis. Le jeu que j'ai beaucoup beaucoup utilisé avant, voilà, c'est le tarot persan de Madame Indira. J'ai un ami à qui je l'ai offert, qui consulte aussi aujourd'hui avec. Lui, il est tout abîmé. Bon, moi, pas tant que ça. Voilà, je le fais une fois de temps en temps. Ah, on dirait que ça m'a prédit un voyage. Ah, j'ai vu le commerce aussi. Bon, bah écoutez, commerce à l'étranger, allez, hein, c'est parti. Et puis, dernière chose, mon jeu de prédilection, on va dire aujourd'hui, c'est un jeu tout bête que j'ai dû payer 1 euro, que j'avais vu dans un. J'adore l'utiliser. C'est un oracle avec des petites images dessus, un passe. Alors, c'est le tarot d'Elvira. Elvire, Madame Elvire. Je ne sais même pas qui est-ce. Mais j'aimais bien, voilà, la carte de l'amour, des blocages. Voilà, ça, c'est le dernier jeu que j'utilise beaucoup comme ça pour voir tout de suite la coupe. Et après, j'en utilise d'autres, hein, suivant ce que je veux savoir sur la personne, connaître sa personnalité. Je prendrai le Vision Quest, voilà. Ensuite, parlons peu, mais parlons bien. Paris. Paris, je suis arrivée là-bas. Bah, vous le savez, je vous ai montré des dessins dans une autre vidéo où je démarchais et je me faisais beaucoup, beaucoup voler. Et puis, j'ai fait autre chose. Et là, je vais vous demander de tendre l'oreille. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler. Ce que vous entendez, c'est une de mes compositions. À l'époque, je vivais avec un artiste guitariste qui composait, qui avait beaucoup de talent, et moi, je chantais. Et je me suis présentée à la musique, elle est un peu à tue-tête, donc je vais baisser un petit peu. Je vais écouter après parce que là moi elle me perturbe. Voilà, c'est mieux comme ça. Et elle s'appelle Chinatown. Et en fait, je suis allée voir Barclay Phonogram
avec un projet qui était de mettre des artistes français en avant. Je trouvais qu'on n'avait pas de stars en France, à part Mylène Farmer, qui faisait vraiment quelque chose de sympa sur scène. Moi, je n'ai jamais été la voir, parce que c'était pas mon, musicalement, c'était pas mon truc. Mais moi, par Madonna, je voyais pas. Je trouvais qu'on était vraiment à la traîne en France. Donc, je suis arrivée avec un dossier assez, assez conséquent, en disant voilà ce que je veux faire. Je me présente ma plaquette. Et en même temps que je lui présente ma plaquette, et ben je lui présente les costumes de scène que je voulais pour mes choristes et moi-même. Alors, parce que bien sûr, je voulais des choristes. Voilà. Ça, c'était... Je sais pas, ça brille. Voilà. C'était les costumes de scène pour mes choristes. Alors, très... avec du voile de soie, des roses en mousseline de soie. C'était du stretch que vous pouvez voir. Et puis, alors, elles avaient des coiffes. Voilà. À l'époque, hein, je vous dis, c'était en 85, 86, peut-être 87. Voilà. Et ça, c'était moi. J'avais prévu ça pour moi. Ou ça. Voilà. Et du coup, il m'a dit, ok banco, on vous prend tout de suite. Il voulait signer, mais il voulait signer sans le groupe. Il voulait me prendre toute seule. Et j'avais pas du tout envie de devenir une marionnette. Je voulais pas qu'on fasse de moi ce qu'ils avaient envie de faire de la chanteuse, comme ils ont pu faire avec Liane Folly. Moi, je trouve que elle a un talent fou pour le jazz. Elle était douée pour ça. C'est quelqu'un que j'ai connu, qui était proche à un moment, puisqu'on était dans la même école. Et elle a fait de la variette et elle valait beaucoup mieux que ça. Donc du coup, moi, j'ai pas senti l'histoire. Et donc, je me suis rétractée. Ça, c'est un autre morceau qu'on a fait, mais qui est moins... C'était sur quatre pistes. Alors, j'arrêterai parce que je ne vais pas parler de ça ad vitam aeternam. Hein. C'est passé. Mais j'ai continué de chanter parce que après, je suis partie au Club Med. Et au Club Med, eh ben, j'étais sur scène et j'ai adoré ça. Bon, ça aussi, c'est un autre moment. Au Club Med, j'étais géo à appliquer et j'avais fait... J'avais fait un soutien-gorge en perles. Voilà, je faisais plein d'autres choses, hein, mais voilà ce que je faisais, je confectionnais des bijoux. C'était la seule chose pour laquelle j'étais douée, la peinture sur soie, j'avais fait des gros caca sur la soie. Donc ils m'ont dit, non, vous n'êtes peut-être pas faite pour ça. Voilà d'autres costumes aussi que j'ai pu dessiner dans le genre de ce que je voulais présenter à l'époque, mes projets, quoi. Vous en verrez d'autres sûrement, mais je vous montrerai aussi ce que j'ai fait. Bon, je vais vous la laisser après comme ça. Après, j'ai été aussi, j'ai fait des costumes de scène pour Hugo Verrecchia, qui était un chorégraphe, et j'avais fait toutes ces costumes de danseurs, qui étaient à la fois peints sur le corps, je ne sais pas si vous voyez, et... Et donc aussi, voilà, voyez-vous, on voit à la fois des, comment on appelle ça, des peintures sur le corps et du vêtement, du voile, voilà. Ça s'appelait Prométhée. Je peux vous montrer, voilà, là c'était plusieurs costumes qui représentaient le feu. Celui-ci représentait l'aigle qui a mangé le foie de Prométhée. Donc c'était un costume pour trois personnes.
un unique costume pour trois personnes. Ici, c'était les trois parcs, d'où peut-être l'idée du film des 77 et l'homme de terre que tu es vaguement dessiné. Donc voilà, ça a été une période aussi où j'ai fait les costumes de scène de Hugo Verrecchia pour ses danseurs. Je vais arrêter la musique de minute parce que là, ça m'a pris le... Voilà, et puis ensuite, après le club... après le Club Med, je suis rentrée, j'ai voulu me mettre au sport. Alors, j'ai commencé par la muscu. Et puis, bon, ma vie a continué ainsi jusqu'à ce que j'en ai marre d'être styliste. Et est-ce que j'ai raté des choses, je ne crois pas pour l'instant. Donc, en même temps, j'ai arrêté le stylisme et je suis devenue responsable boutique. C'est-à-dire que je me suis occupée du corps, de l'habiller pendant un certain temps. Et après, j'ai eu envie de conseiller les gens parce que je trouve que les gens avaient une manière de s'habiller qui n'était pas ou harmonieuse ou en tous les cas, ils ne savaient pas harmoniser les longueurs. Et ça, c'est très important suivant la forme du corps. Donc j'adorais ça et je me suis dit tiens je vais passer plutôt de l'autre côté. Et c'était surtout à la sortie d'une voyance, une personne m'a dit ah bah vous allez tenir votre boutique. Je lui ai dit non ça c'est pas possible, c'est mes vêtements que vous voyez dans la boutique. Je sais à l'époque j'attendais pour une collection qu'elle soit qu'elle se commercialise. Et en fait, elle m'a annoncé que la boîte avait des antécédents bancaires hyper défavorables et qu'elle allait couler la boîte. Donc du coup, moi, elle présageait rien de vraiment très bon. Alors elle m'a dit, mais moi, je vous assure, je vois en boutique. À la suite de ça, j'ai eu une idée, c'est-à-dire que j'avais un ami qui avait des boutiques à Cannes, des boutiques de maillots de bain sur la Croisette. C'est en face du Palais des Festivals, très belle boutique. Et j'étais là-bas l'été pendant 2 mois, l'après-midi, on avait notre après-midi pour aller au soleil et on recommençait le soir vers 4-5 heures quand les gens sortaient de la plage pour travailler jusqu'à 22 heures. En fait, c'était génial. Vraiment, c'était une période magnifique. J'ai vécu dans le sud à ce moment-là. Et c'est ainsi que je suis devenue responsable boutique. J'y suis restée un peu moins d'une année, j'y suis restée 7 mois pour revenir à Lyon ensuite et puis continuer dans le domaine du vêtement tout en étant responsable. Mais évidemment, je ne me suis pas arrêtée, donc là j'ai commencé la numérologie. J'ai adoré ça, j'ai mon bouquin dans une des vidéos que j'ai dû vous montrer. Et puis en même temps, je me suis mise à peindre. Et j'ai participé en 97, au moment où j'ai créé Aliaske, mon nom d'artiste, avec la numérologie, pour lui donner une bonne vibration artistique. Et du coup, puis je trouvais que ça allait bien. En fait, j'ai rencontré, au même moment où je suis rentrée dans le bouddhisme, il s'est passé des choses très important pour moi effectivement fin août 96, ça a été une période très douloureuse pour moi affectivement parlant et du coup je me suis réfugiée dans le bouddhisme grâce à mon frère qui est aîné qui m'a montré parce que j'ai deux frères aînés, j'ai été élevée au milieu des hommes. Peut-être pour ça un peu côté rebelle, un peu franco-arménienne. Moi, je dirais peut-être du côté français. Oui, voilà, bouddhisme, nous y revenons. Dans le bouddhisme, là, j'ai eu la chance, comme quoi ça a amené de très belles énergies, j'ai eu la chance de rencontrer le père de mon fils, qui est devenu mon mari. Et dans le même temps, beaucoup, beaucoup de choses se sont réalisées. Donc, Aliaske est né. J'ai eu... la chance de pouvoir participer à un concours à Bâle et sur 150 participants, j'étais sortie 10e. J'ai eu un prix master, donc voilà.
le prix que j'avais eu à l'époque pour trois tableaux. Je ne peux pas vous les sortir, je ne sais pas où ils sont. Ben voilà, ça me paraît. Ah, si, les voilà. C'est-à-dire que... Ah, la batterie est faible. Ah, il ne manquait plus que ça. Alors, je vais vous rebrancher. Bon, ben, du coup, on a coupé la vidéo. J'ai été obligée de changer de plan. Enfin, je vous prie d'excuser ce moment de panique. Bah, j'espère que je vais savoir reprendre où j'en étais. Donc j'étais dans cette exposition à Bâle où j'ai créé Aliaske à partir de la numérologie. Et puis aussi j'ai eu fait au même moment, j'ai eu fait de la photographie. Je vous montrerai quelques photos que j'ai faites. Les dessins aussi, voilà, que je faisais à partir de Aliaske. Je créais toujours un petit peu pour le monde de la mode, parce que j'ai toujours voulu garder un pied dedans pour faire des différentes plaquettes. Par exemple, voilà, j'avais fait les photos pour cette plaquette-là. C'est pas grand-chose, il n'y a rien d'extraordinaire quand on voit ce qu'il y a de possible à faire aujourd'hui. Mais voilà, j'aimais bien faire de la photo. Voilà, j'avais pris un homme aussi qui était pas mal. Il était pas mal cet homme-là. Je vous dirai pas qui c'est. J'avais utilisé même pour faire une peinture pour l'expo de Karma que j'ai fait plus tard. Encore des photos. Bel homme, on peut le dire, bel homme. Ça, eh bien, qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Eh bien, c'est. Voilà, c'est le papa de mon bébé, Pablo. Voilà, j'ai un fils. J'ai un fils aujourd'hui, c'est qui a 18 ans. Il s'appelle Pablo Mila, pas tout à fait Pablo, parce que j'avais envie de, vu qu'il a un nom plutôt banal en espagnol. Son père était d'origine espagnole. Ça, c'était pour cette première partie Ça s'en fait pas mal parce qu'après, eh bien, en même temps, j'ai écrit avant de rencontrer mon mari. J'ai écrit pendant parce que j'ai souffert au niveau affectif et j'avais écrit un recueil illustré qui s'appelait Accord perdu au départ. J'ai écrit un recueil illustré. Donc là, ce sont des poèmes, que des poèmes. Un jour, peut-être que je l'éditerai, peut-être pas. Je trouve qu'il y a tellement de choses aujourd'hui. Voilà, tous sont illustrés de ce que j'ai. Je sais pas si vous voyez, hein, enfin, ça n'a pas trop d'importance, mais j'ai quand même eu. J'avais présenté mon projet aux éditions du Cherche Midi. Qui m'avait donné une très belle note de lecture. Alors, vous pouvez le voir ici. J'avais fait un mini pressbook pour me présenter. Mais voilà, ce sont les notes de lecture du Cherche Midi Éditeur et des éditions Saint-Germain-des-Prés. C'est plus pour vous raconter un peu mon parcours jusqu'à ce que je fasse cette expo. En gros, c'est tout ce que je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai fait voilà tout ce que j'ai fait. Ah si, bah si, le fait que au bout d'un moment, je me suis coincée le dos après avoir eu mon fils. J'ai arrêté le bouddhisme par contre pendant des années pour l'éduquer. Et il y a 2 ans, seulement 2 ans en arrière, où je suis revenue dans la voie.
En même temps que j'ai eu envie de remettre mon jeu sur le commerce. Et à la suite de... je me perds un peu, pardon. J'ai écrit beaucoup, j'ai écrit beaucoup de choses. J'ai eu mon problème de dos. Il a fallu que je me reconvertisse professionnellement, c'est-à-dire que j'ai arrêté aussi le commerce, le vêtement. C'est là où j'ai créé mon jeu. J'ai fait une expo, j'ai sorti le jeu. Et ensuite, il a fallu que je me sorte de ma situation parce que j'étais en train de me paralyser. Malgré le fait que je faisais beaucoup de sport. Il m'est arrivé d'en faire 4 heures par jour, tous les jours, hein, pendant une période. Donc, à la suite de mes problèmes de dos, le chirurgien m'a dit: « Non, non, il ne faut pas vous opérer, vous, il faut continuer tous les jours, tous les jours. » Et vu que j'étais en pleine reconversion professionnelle à 45 ans, j'ai décidé de passer mon diplôme d'État pour être éducateur sportif. Donc, en plus, si vous ne le saviez pas, je suis aussi éducateur sportif tous les soirs et à domicile, je donne des cours. Voilà, pour rester en forme. Ce que j'essaye de faire, c'est ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, j'ai aussi, et pour la dernière chose, il y a 2 ans de ça, j'ai perdu ma voix, j'ai eu des nodules sur les cordes vocales, j'ai eu quelques petits problèmes, donc du coup je ne peux plus chanter, mais par contre il y a 2 ans, 3 ans de ça, j'étais sur scène, je faisais des reprises comme celle de Amy Winehouse, des reprises très jazzy, et puis aussi, comme je tire dans le marc café, je lis dans le marc café, ça vient de ma grand-mère paternelle. Hein, elle lisait dans le marc café, ma tante maternelle lisait dans les cartes. Et du coup, j'ai créé un petit livret qui s'appelle Madrigal, que j'aime ta couleur café, et qui relate des histoires à partir de fond de tasse. Alors j'ai eu fait une expo aussi, hein, avec voilà, des illustrations de marc de café comme celle-ci aussi, j'aime bien. Voilà. Bah, c'est ici une reprise de... Avec c'est en voile et comme celui que vous avez vu, vous avez derrière moi. Et je l'ai appelé. Voilà. Peut-être qu'un jour j'écrirai des choses encore, mais j'ai tellement de choses à faire à côté que j'ai pas toujours le temps de faire tout ça. Donc voilà, je me suis présentée peut-être en plus de 15 choses que vous deviez savoir sur moi. Je vous ai présenté un peu des cartes. Vous savez un peu qui je suis. Hein, je la fais plutôt simple. Et aussi, je vais taguer 3 personnes. Alors, je vais leur dire, de toute façon, ils vont pas rester sans le savoir, ça c'est sûr. Je vais taguer Julien Gabriel. Parce que je suis très curieuse de le connaître. Figurez-vous que j'ai beaucoup de contacts avec lui par email ou par téléphone, mais je ne le connais pas. C'est-à-dire que je ne connais pas sa bouille. J'aimerais bien le voir à qui on a affaire, au moins une fois. Après, alors, je ne sais pas si Mima, elle ne sera pas obligée de se montrer, parce que je crois qu'elle a envie de rester derrière l'écran, mais elle peut peut-être nous donner qu'elle le fasse à sa manière, voilà, qu'elle se présente à sa manière, mime mime. Et la troisième personne, c'est quelqu'un que je trouve très dynamique, que j'aime bien, de laquelle je me suis rapprochée,
C'est Ève-Ange Lumière. Je ne donnerai pas sa véritable identité. Je la connais, je connais son prénom. Mais voilà, c'est les trois personnes. Vous voyez là, du coup, je reprends le tag de Founet qui était de choisir trois personnes, de taguer trois personnes. Et pour vous dire, je ne savais même pas ce qu'était un vlog, ni un tag, ni il y a un an de ça. J'étais complètement larguée au milieu. Et on fait ce qu'on peut. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Et là, voilà, ça y est, c'est fini. On s'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Ça y est, vous en savez un peu plus. Ouh là là, on s'en va vite, on s'en va vite. Qu'est-ce qu'ils vont penser? You drove me out of my head.
remember all that you said. Told me love was to play me in. Told me you were through on me. And now you say you love me. Well, just to prove.